Ok. Bom dia. Vamos dar início a mais uma conversa sobre neoplatonismo. Hoje, contando com a presença ilustre aqui do professor Luc Brisson. Bonjour, professeur. Bonjour. J'aimerais remercier pour sa disponibilité et à dire que c'est un plaisir et un honneur de pouvoir compter sur votre présence ici. Hoje, nós teremos também a professora Lorraine, da Universidade de Pernambuco, nossa já parceira aqui no canal, que fará a mediação. Muito obrigado, Lorraine. E, sem mais, eu passo a palavra para que a gente possa dar seguimento com essa nossa conversa. Eu gostaria somente de avisar aos presentes que estão chegando que nós teremos duas conferências. Hoje teremos a primeira sobre platonismo e médio-platonismo. E numa próxima ocasião, já agendada, nós vamos discutir o neoplatonismo como herdeiro dessa tradição que o professor desenvolverá hoje aqui. Por favor, Lorraine. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Cícero Bezerra pela criação desse canal, né? Realmente um espaço virtual importante, né, para divulgação do neoplatonismo, né? Tanto para nós brasileiros, como agora com a presença do professor Brisson também, para outros ouvintes, né? E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o professor Brisson. Bonjour, monsieur Brisson, je vous présente maintenant en portugais. Et Oi. donc, monsieur Brisson organizou a tradução das obras completas de Platão e das Enéadas de Plotino em francês. Ele é especialista em Platão, em Plotino, também estudou muito, trabalhou muito sobre Porfírio. Ele participou das traduções, né? Coordenou, organizou as traduções da vida de Plotino por Porfírio, sobre como o embrião recebe a alma, né? O Ad Gaurum, as sentenças de Porfírio, o Antro das Ninfas, agora que saiu ano passado, e ainda é inédito, não foi publicado, os fragmentos de Porfírio. Ele também tem trabalhado junto à equipe do professor Felipe Hoffmann com a tradução dos elementos de teologia de Proclo. Além dos estudos dedicados ao neoplatonismo e a Platão, aliás, um parênteses, né, com relação a Platão, o professor Brisson organiza anualmente uma bibliografia sobre tudo que é publicado a respeito de Platão no mundo. Ele falou que aproximadamente 350 a 400 textos, né, são publicados anualmente sobre Platão e cada vez mais textos em português e em espanhol daqui da América Latina, né, entre artigos e livros. Essa bibliografia está disponível online no site da Sociedade Internacional de Estudos sobre Platão, né, IPS, International Plato Society. E, além disso, o professor dedicou e se dedica ainda ao estudo do mito e da religião grega. E a esse respeito, eu gostaria de destacar aqui para os leitores lusófonos a tradução de Introdução à Filosofia do Mito, né? Nós temos essa obra em português, a publicação dela em tradução é recente. E além dessa, nós temos também a tradução de um outro livro do professor Brisson, que é Leituras de Platão. Essa já foi feita no final dos anos 90, início dos 2000, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. E alguns artigos também, eu mesma traduzi um. Então, a gente tem como acessar a obra do professor Brisson também em português, né? Existe alguma coisa aí disponível para os nossos leitores. Então, je crois que c'est bon comme ça. J'ai essayé de parler l'essentiel de l'œuvre de Monsieur Brisson. Et donc, je lui passe la parole. Bonjour, Monsieur Brisson. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, c'est bon? Je vous Oui. passe la parole. Donc, merci beaucoup. C'est pour moi donc aussi un plaisir et un honneur, d'autant plus que le Brésil a joué ces dernières années un rôle important dans le cadre de la société platonicienne internationale. Il y a eu un colloque international à Brasilia et il y a de plus en plus de textes, que ce soit des articles,
ou des livres qui sont publiés en portugais sur Platon et le néoplatonisme. Je remercie Lorraine de m'avoir présenté. Lorraine a passé quelques années dans notre équipe au CNRS et son contact a toujours été très agréable avec tous les membres de l'équipe. Donc, c'est pour moi un plaisir et un honneur de parler pour vous aujourd'hui. On m'avait demandé de parler du néoplatonisme et je le ferai avec un très grand plaisir, mais je pense qu'il est très difficile de parler du néoplatonisme sans parler du médioplatonisme et surtout sans parler de Platon. Parce que le platonisme est une interprétation tout à fait particulière de Platon. Et je voudrais montrer aujourd'hui à quel point les néoplatoniciens sont à la fois fidèles à Platon et infidèles à Platon. Ils sont infidèles à Platon parce que Platon réagit dans ses dialogues à un contexte historique tout à fait particulier qui ne se représentera plus dans la suite des siècles. Par ailleurs, Platon aussi est fortement influencé par la figure de Socrate. Cette figure aura tendance à l'influence de cette figure aura tendance à s'atténuer au cours des siècles et on ne gardera de Platon que sa doctrine concernant l'âme et concernant l'intelligible. Et donc aujourd'hui, je vais insister précisément sur le contexte historique, c'est-à-dire l'insertion de Platon dans la cité d'Athènes et le drame qu'a constitué pour lui la condamnation à mort de Socrate. Donc, il faut replacer Platon dans un contexte historique, dramatique. Platon naît en 428-429. Or, en 431-430, donc quelques années avant sa naissance, éclate les guerres du Péloponnèse, parce qu'il y a eu plusieurs batailles entre-temps, les guerres du Péloponnèse qui vont se solder par la défaite d'Athènes en 404. En effet, Athènes avait résisté aux Perses quelques années auparavant et avait constitué ce qu'on appelle la Ligue de Délos, c'est-à-dire c'était un empire dirigé par les Athéniens et qui réclamait que les cités qui était protégé par elle, lui paie un tribut. Donc, en 431-430, les cités ont décidé de ne plus payer le tribut et se sont associées à Sparte contre Athènes. Donc, trois ans avant la naissance de Platon, début des guerres du Péloponnèse qui allaient se terminer par un désastre pour Athènes. En 429-428, et ça nous rappelle des choses qui sont très désagréables aujourd'hui, en 429-428, une peste frappe la ville d'Athènes et donc est responsable de la mort de 20 000 citoyens sur 60 000, donc un tiers de la population, et le chef de l'État, Périclès meurt dans cette peste. Et donc l'année suivante, Platon naît en 428 et va vivre dans une société très affaiblie par cette épidémie. Donc les guerres du Péloponnèse se poursuivent. Et donc, en 412, en 412, les Athéniens décident
d'envahir la Sicile qui regorge de blé. Et donc, ça leur fournirait un grenier à blé. Et donc, Alcibiade, et vous retenez ce nom, Alcibiade, qui est un jeune homme, homme politique très brillant, décide, amène l'Assemblée démocratique à voter l'envahissement de la Sicile. C'est un échec retentissant et 12 000 citoyens meurent à cette occasion. Donc, vous gardez en tête justement le nom d'Alcibiade. Deuxièmement, par ailleurs, quelques années plus tard, Athènes, qui est affaiblie, est battue par Sparte, son ennemi, depuis 431-430, et Sparte détruit la démocratie à Athènes et instaure une oligarchie qui est dirigée par deux personnes qui ont des liens très forts avec Socrate, c'est Critias et Charmide. Ce sont eux qui dirigent la coalition des 30 tyrans. Et donc, en 404, une révolution éclate et 3000 citoyens meurent à l'occasion de cette guerre civile. Donc, il faut donc se rappeler de ces trois noms, Alcibiade, Charmide et Critias. Donc, la démocratie est rétablie en 403, donc très rapidement, et une loi d'amnistie pour ceux qui ont appuyé l'oligarchie, une loi d'amnistie est votée. Cela dit, en 399, donc quelques années plus tard, Socrate est mis en accusation. Et donc, dans les dialogues de Platon, l'Apologie, le Criton et le Tiphon d'abord, c'est avant le procès, l'Apologie de Platon, le procès lui-même, le Criton, Socrate dans la prison et Phédon, Socrate qui boit la ciguë. Donc, Socrate est soumis à un procès en 399. Et il est condamné à mort. L'acte d'accusation se lit comme suit, c'est ce qu'on trouve dans l'Apologie en 24 BC. Socrate est coupable de corrompre la jeunesse et de reconnaître non pas les dieux de la cité, non pas les dieux que la cité reconnaît, mais au lieu de cela, des divinités nouvelles. Donc c'est une allusion au signe divin. Qui dirigeait jusqu'à un certain point la conduite de Socrate. Donc Socrate, dans l'Apologie, montre très rapidement que l'accusation d'athéisme est ridicule, mais il n'en demeure pas moins que Socrate doit montrer qu'il n'a pas corrompu la jeunesse. Si on accuse Socrate en 399 d'avoir corrompu la jeunesse, c'est que dans l'entourage de Socrate, on trouvait Alcibiade, responsable de la défaite, en Sicile, et Critias et Charmide qui ont dirigé le conseil des 30 tyrans. La guerre civile qui a suivi et puis la défaite de Sicile ont amené la mort de 20 000 citoyens. Et c'est ce qu'on voulait faire payer, me semble-t-il, à Socrate qui boit la ciguë donc, en 399. Donc Platon
vit à une époque où il doit, où il subit deux chocs terribles, c'est-à-dire d'une part la défaite d'Athènes et d'autre part la mort de Socrate. Platon va se mettre à écrire à partir de 399 pour défendre la mémoire de Socrate. L'idée est la suivante, c'est tout simplement de montrer que Platon, que Socrate est l'éducateur par excellence, et ça ne sera pas facile. Donc, Socrate est l'éducateur par excellence parce que, comme on le dit aussi dans l'Apologie, un jour qu'il était allé à Delphes pour y consulter l'oracle, Chéréphon, qui était un disciple de Socrate, l'un des membres de l'entourage de Socrate, donc, demanda s'il y avait quelqu'un de plus savant que Socrate, et l'oracle répondit non. Donc, l'idée de Platon, c'est de montrer que l'oracle avait raison. Le problème fondamental, c'est que Socrate prétendait ne rien savoir. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce non-savoir? Ce non-savoir, ce n'est pas un savoir concernant les choses sensibles et la conduite journalière. Socrate savait parfaitement comment s'habiller, sortir dans la rue, manger, faire l'amour, puisqu'il a eu au moins deux femmes et des enfants. Le problème n'est pas là. L'idée fondamentale pour Socrate, c'était de montrer que le savoir ne consistait pas en des recettes concrètes permettant d'être efficace en politique, dans la culture et dans la vie de tous les jours. Et dans l'Apologie, justement, Platon montre un Socrate qui va poser des questions à des hommes politiques, à des poètes et à des travailleurs manuels, et il montre que ces gens se contredisent et que, par voie de conséquence, leurs règles pratiques ne leur permettent pas d'obtenir un savoir véritable, un savoir véritable qui ne se trouve pas au niveau du sensible, mais qui se trouve au niveau de l'incorporel. Par ailleurs, Socrate, bien évidemment, va s'attaquer aux sophistes, va critiquer les sophistes, lesquels prétendaient transmettre des règles permettant à ceux qui voulaient faire de la politique d'être efficaces à l'Assemblée et au tribunal. Mais encore une fois, dans des dialogues comme le Gorgias, comme l'Euthydème et d'autres, Socrate pose des questions aux sophistes qui sont incapables de répondre sur un autre plan que sur le plan de la rhétorique. Et pour Socrate, cela pose un problème véritable dans la mesure où les sophistes, avec leurs règles concernant la rhétorique, n'arrivent pas à dépasser le vraisemblable et ne peuvent parvenir à la vérité. Donc, pour Socrate, le savoir ne se trouve pas dans le sensible. Et par voie de conséquence, pour Socrate, être un éducateur, ce n'est pas transmettre un certain nombre de règles
et on fait payer cette transmission très cher à ceux qui veulent avoir le succès en politique, mais c'est de découvrir une vérité qui se trouve en soi-même. Pour y arriver, il n'y a qu'un moyen, donc c'est de poser des questions. Parce que comme vous le voyez, la vérité ne peut pas, suivant Socrate, se trouver dans le maître, la vérité doit se trouver dans le disciple. Et ce que le maître doit faire, le maître, c'est tout simplement de faire se souvenir d'une vérité déjà acquise par l'âme de l'interlocuteur. Et c'est la raison pour laquelle, dans les premiers dialogues, Platon nous décrit un Socrate pratiquant l'hélénkos, qu'on traduit habituellement par la réfutation. Donc, Socrate discute avec un interlocuteur et lui montre que les réponses qu'il fait des questions concernant la définition de différentes valeurs, par exemple la tempérance, le courage, que les réponses faites à ces questions ne sont pas valables et que l'on doit aller à un niveau supérieur. Donc, pour Socrate, l'hélénkos présente deux éléments. D'une part, la réfutation en tant que telle, et d'autre part, cette réfutation doit faire apparaître une honte, la honte d'être incapable de répondre aux questions que Socrate leur pose. Et cette honte n'est pas là pour abaisser l'interlocuteur, mais il est là pour relancer l'interlocuteur et lui faire entreprendre une recherche qui le mène à la vérité. Et pour y arriver, donc, au fur et à mesure des dialogues, on s'aperçoit que l'hélénkos, la réfutation, est remplacée par la dialectique qui doit amener le disciple et qui doit amener le disciple à redécouvrir la vérité qui se trouve en lui-même. Et donc, c'est intéressant de voir que Platon remplace un modèle d'éducation qui est un modèle masculin, un modèle qui transmet quelque chose, par un modèle féminin, c'est-à-dire une éducation qui amène à faire accoucher l'interlocuteur d'une vérité qu'il porte déjà en lui-même. Et donc ça, c'est très clair à la fin du banquet, lorsque Diotime, qui est une femme, prend la parole. Comme vous le voyez, et je n'en ai pas parlé jusqu'ici, mais là, ça va être le centre de ma communication. Comme vous le voyez, le problème fondamental, c'est de définir comment parvenir à cette découverte de la vérité. Donc, pour y arriver, il faut prendre en considération deux éléments qui vont constituer le noyau du platonisme et qui vont être repris par le néoplatonisme. Comme je l'ai dit, le néoplatonisme ne s'intéresse pas à la situation historique, puisque les néoplatoniciens vivent dans un monde où le pouvoir réside dans les mains d'un seul homme, que ce soit un roi ou un empereur, donc on ne peut pas changer la situation politique. Et deuxièmement, Socrate n'est pas considéré de façon aussi importante que chez Platon. Donc, comment ça se passe? Le platonisme se définit par deux renversements, c'est-à-dire que pour les platoniciens, l'âme, l'être humain se définit non par son corps,
mais par son âme. Et par ailleurs, les choses qui nous entourent ne sont que des images de réalité intelligible. Donc, je fais quelques remarques concernant l'âme, et puis ensuite, on va passer aux réalités intelligibles. Donc, l'être humain se définit non par son corps, mais par son âme. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le corps, après un certain nombre d'années, est détruit, alors que l'âme, elle, est immortelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'immortalité de l'âme, pour Platon, ne présente pas la même signification que pour nous. En effet, pour Platon, c'est l'âme en elle-même qui est immortelle, l'âme en tant qu'âme, l'âme individuelle, l'âme personnelle est sujette à des cycles de 10 périodes. Pendant la première période, et ces cycles se renouvellent après que les 10 périodes se soient écoulées. Donc, durant la première période, l'âme suit les dieux et les démons et va contempler l'intelligible à l'extérieur du monde sensible. Puis, au cours de la seconde période, cette âme s'incarne dans un être humain qui n'est pas encore sexué en fonction de la qualité de son existence antérieure. À la troisième période, les femmes apparaissent, ce qui fait que par la suite, les êtres humains seront produits par relation sexuelle. Donc, à partir la première période dans le ciel, et on contemple l'intelligible, la seconde période, on tombe dans un corps humain non sexué, troisième période, les femmes apparaissent, et quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième période, l'âme s'incarne dans des êtres humains ou dans des animaux. Et c'est vraiment c'est une conséquence de l'immortalité de l'âme. Donc l'âme passe d'un corps à un autre. Et donc, ça n'est plus seulement, l'âme n'est plus seulement le moteur d'un corps humain, c'est aussi l'hôte provisoire d'un corps, que ce corps soit celui d'un être humain ou d'un animal. Et comme vous le voyez, l'immortalité de l'âme, pour Platon, implique la métensomatose, ou la réincarnation, si on le veut, et implique aussi le végétarisme, parce que manger un animal, c'est d'une certaine façon manger un être humain. Et donc, on retrouvera ces deux conséquences dans le néoplatonisme, c'est-à-dire la métensomatose, la réincarnation, et l'obligation du végétarisme. Et je vous renvoie à Porphyre, qui a fait un énorme travail intitulé « De abstinentia », c'est-à-dire l'abstinence des chairs animales, en 4 volumes. Et donc c'est un ouvrage vraiment fondamental dont je parlerai si je parle du platonisme. Donc, comme vous le voyez, la doctrine de l'âme chez Platon relève du mythe et non du logos. Elle relève du mythe tout simplement parce que la doctrine platonicienne concernant l'âme, et Platon en est tout à fait conscient, ne peut être prouvée. Tout ce qu'on peut faire, c'est un récit
des différents voyages de l'âme. Mais revenons à ce que j'ai dit plus haut. Donc, cette âme qui a contemplé l'intelligible lors de la première période d'un cycle va devoir se souvenir de cette contemplation tout le long de son existence. Et tout le long de son existence, pendant les neuf périodes qui suivent la première, l'âme humaine devra se souvenir de la contemplation de l'intelligible. Et c'est là qu'entre en ligne de compte, la réminiscence, c'est-à-dire le souvenir de cette contemplation. Donc ça, je viens de parler de l'âme. Maintenant, il faut parler des formes. Pourquoi Platon a considéré que les réalités véritables étaient des formes et que les choses sensibles n'étaient que des images de ces réalités véritables? Je répondrai en évoquant trois domaines où l'importance des formes se manifeste. L'idée fondamentale de Platon, et c'était une idée éthique et politique, comme on le verra, c'était une idée éthique d'abord, le problème fondamental étant que Platon, à la suite de Socrate, voulait parvenir à la définition de vertu qui était éternelle et immuable. Vertu en grec, vertu en français traduit, arrêté en grec, c'est-à-dire l'excellence. L'idée fondamentale de Platon, c'était de considérer que les valeurs morales, les valeurs politiques, devaient être éternelles et immuables, c'est-à-dire reconnues par tous et obéies par tous. Et donc, c'est la raison pour laquelle on retrouve donc la justice, on retrouve le courage, on retrouve la tempérance, et surtout on retrouve le bien qui sont, comme je le répète, parce que je pense que c'est très important, des réalités éternelles et immuables. Ça, c'est l'acte fondateur de l'existence des formes chez Platon. Mais si on estime que ces vertus sont éternelles et immuables, il faut faire l'hypothèse d'une faculté qui permette de les percevoir. Parce qu'on ne peut pas percevoir ces vertus qui sont des incorporelles en utilisant ses sens. Par voie de conséquence, donc, il faut faire l'hypothèse d'une faculté supérieure qui s'appelle l'intellect chez Platon, en grec c'est le nous, et l'idée fondamentale l'acte fondamental de perception de ces réalités, c'est le souvenir. L'âme, comme je l'ai dit, au cours de la première période de chaque cycle, a contemplé ces réalités éternelles et immuables. Et dans la vie de tous les jours, pour un être humain, dans la vie de tous les jours, pour un philosophe, il s'agit de se souvenir de ces réalités véritables. Mais Platon va plus loin encore, et c'est ce qu'on trouve dans le Timée. Ces réalités véritables doivent se retrouver dans le monde qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle Platon, dans le Timée, fait la description de l'origine du monde. Un dieu très difficile à définir, qui s'appelle le Démiurge, va insérer
ces réalités véritables dans la Kora, ce qu'on appellera plus tard la matière, pour fabriquer les choses sensibles. Donc les choses sensibles ne sont que des images de réalités véritables. Mais les choses sensibles, étant les images de ces réalités véritables, sont par elles-mêmes, jusqu'à un certain point, intelligibles. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler du monde sensible, on peut penser le monde sensible, et surtout on peut agir dans le monde sensible. Tout simplement parce que le monde sensible est jusqu'à un certain point intelligible. Et donc, on s'aperçoit que même si Platon dit de temps à autre qu'il faut s'élever du sensible pour aller vers l'intelligible, cela ne signifie pas qu'il condamne le sensible. Ce que Platon veut dire, c'est que le sensible est intelligible, mais seulement jusqu'à un certain point. Et que par voie de conséquence, il faut toujours se rappeler que l'intelligible n'est qu'une image, que le sensible n'est qu'une image de l'intelligible. Une image qu'il ne faut pas rejeter, mais qu'il faut tenir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce n'est qu'une image. Donc, les formes sont ces réalités véritables qui sont à la base de l'éthique avec les vertus, de l'épistémologie avec l'intellect et de la cosmologie avec constitution du monde sensible. Donc ça, c'est le domaine éthique. Mais là où Platon veut intervenir vraiment, et là où ça ne sera plus possible après Platon, étant donné que la démocratie sera très rapidement remplacée par des royautés hellénistiques et ensuite par l'Empire romain. Donc, ce que Platon veut faire, et on s'en aperçoit, on le voit très très bien, notamment dans la République et dans les lois dont je vais parler, c'est de changer radicalement l'organisation politique de l'Athènes dans laquelle il vit. Platon veut répondre à ces deux exigences. D'une part, qu'il n'y ait plus ce genre de guerre extérieur avec les guerres du Péloponnèse, qu'il n'y ait plus de guerre civile et les institutions qui seront mises en place ne puissent plus condamner un philosophe comme Socrate. Donc Platon écrit deux gigantesques dialogues, la République d'une part et les lois. Donc, dans la République, je vais aller très vite, même si la République compte 10 livres, je vais donner seulement l'essentiel et peut-être qu'on discutera sur le sujet après. Donc, dans la République, qu'est-ce que Platon veut faire? Et je pense que ça, c'est très important. Et qu'il faut essayer de comprendre quel est le problème auquel il s'agit de répondre. Le problème fondamental, me semble-t-il, dans la République, c'est que Platon s'aperçoit, et on le voit dans les livres 8 et 9, que le problème fondamental dans la cité qu'il connaît et qu'il a connue, c'est que l'oikos, c'est-à-dire la famille, mais la famille au sens large, c'est-à-dire pas papa, maman, mais la famille au sens large, avec les parents, les grands-parents, les enfants, les serviteurs, le domaine et tout ce qui est associé au domaine, c'est-à-dire les bêtes, les instruments, etc., etc. C'est tout simplement que l'oikos, donc le domaine et les grands domaines, ne cessent de vouloir s'agrandir. Et en s'agrandissant, ils veulent s'agrandir tout simplement pour avoir plus de pouvoir politique. Et en s'agrandissant, ces domaines créent de la pauvreté et donc sont au point
de départ d'une guerre civile. Et même s'il n'y a pas de guerre civile, la volonté pour les Loïcos de s'agrandir mène à la guerre extérieure, puisqu'il s'agit d'aller s'emparer des richesses et de la population qui constitue la main-d'œuvre des cités qui sont voisines de d'Athènes. Donc, quelle est la solution de Platon? La solution de Platon est relativement simple, c'est-à-dire que Platon va essayer de promouvoir un modèle où il y aura trois classes, si on veut parler ainsi, ou trois groupes fonctionnels. Donc, les deux premiers, ce sont ceux des dirigeants, c'est-à-dire les gardiens, l'armée qui joue le rôle d'assurer la sécurité dans la cité et à l'extérieur de la cité. Et dans cette armée, on va choisir les philosophes qui, eux, vont être les vrais dirigeants de la cité. Et donc, ces dirigeants, qu'il s'agisse des gardiens et des philosophes, n'auront aucun bien. Ils n'auront pas de propriété, ils n'auront pas d'argent. Et limiteront à leurs tâches, tâches de sécurité et tâches de direction. Et donc, comme on le voit, ces deux classes dirigeantes devront être nourries et par une troisième classe, un troisième groupe fonctionnel qui est celui des producteurs. Le problème fondamental, c'est que les dirigeants ne pouvant rien posséder, ne peuvent posséder ni domaine, ni famille au sens strict. Et par voie de conséquence, ça pose le problème de la génération d'enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle Platon est amené, dans ce modèle, à faire l'hypothèse d'une communauté des femmes et des enfants. Dès l'Antiquité, cette proposition a fait scandale et Platon a dû, me semble-t-il, puisque la République semble avoir été écrite au milieu de la carrière de Platon, Platon est amené à écrire un nouveau dialogue qui s'appelle Les Lois et qui est gigantesque aussi parce qu'il comprend 12 livres. Et donc, il propose une autre solution pour obtenir une cité juste qui ne soit pas assise sur la volonté des grandes familles de s'élargir et de prendre tout le pouvoir politique. La solution de Platon dans les lois, c'est un dialogue énorme, un peu ennuyeux, mais vraiment très intéressant, c'est d'associer chaque oikos, chaque famille, à un kleros, c'est-à-dire à un domaine. Donc, chaque famille se voit attribuer un domaine, mais ce domaine ne peut être vendu ce domaine ne peut être vendu, ce qui fait que chaque famille va évoluer dans le cadre d'un kleros, c'est-à-dire d'une part de territoire avec cet oikos va garder toujours la même richesse. Il y aura quatre classes censitaires et aucune des familles qui appartiennent à une classe censitaire ne pourra passer à une autre classe censitaire. Donc on va obtenir une cité où
les domaines où les familles vont rester toujours au niveau qui était le leur, et par voie de conséquence, ils seront amenés à respecter les lois qui s'appliqueront à tous, indépendamment de la classe censitaire dans laquelle ils se trouvent. Donc on voit que Platon, de cette façon, répond aux critiques très dures qui ont été dès l'Antiquité, qui ont été faites à sa proposition de promouvoir la communauté des femmes et des enfants. Et donc, je termine très rapidement avec l'héritage et j'aimerais bien, dans une autre communication, poursuivre sur le sujet. Donc, Platon meurt en 348. Mais il avait fondé, probablement dans les années 387-390, ce qu'on appelle une académie, c'est-à-dire un groupe de savants. Ce n'était pas une université, c'était un groupe de savants, un groupe d'experts qui discutaient entre eux et qui, suivant un certain nombre de témoignages qui reste à vérifier, avait une vocation politique, c'est-à-dire il s'agissait, surtout après les lois, de fabriquer des hommes politiques qui puissent transmettre la doctrine platonicienne. Donc, dans un premier temps, donc l'Académie de 348 à 268, en gros, huit décennies, est appelée l'Ancienne Académie. Et cette Ancienne Académie va défendre Platon contre les critiques faites par Aristote et ses successeurs. Donc, c'est une école où on défendra les doctrines de l'âme et la doctrine de l'intelligible, mais cette doctrine de l'intelligible étant profondément modifiée, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. À partir de 268 jusqu'en 83 avant notre ère, apparaît ce qu'on appelle la Nouvelle Académie. En gros, c'est toujours un peu la même école, mais cette école, maintenant, s'attaque ou veut répondre aux critiques non plus d'Aristote, mais des stoïciens. Et c'est la raison pour laquelle la Nouvelle Académie est souvent associée à des courants qu'on appelle probabilisme ou sceptique. Et donc, il s'agit pour les platoniciens de montrer que le critère de la vérité ne se situe pas dans la perception sensible. Et c'est la grande idée défendue par la Nouvelle Académie, c'est-à-dire que tout ce qui nous est transmis par les sens ne peut être considéré comme vrai. Et ce qui est très étrange, c'est que cette Nouvelle Académie ne parle plus du tout de l'intelligible et des formes. À partir de 83, et Cicéron est un très bon témoin de ce changement, un changement va se produire qui va associer le platonisme au pythagorisme et qui va surtout produire une nouvelle alliance entre philosophie et religion. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais c'est vraiment un pas très très important. Et donc on va parvenir à ce qu'on appelle le moyen platonisme qui présente trois niveaux, donc Dieu, le modèle et la matière. Donc,
à partir de ce moment-là, le Dieu sera considéré comme le bien dans la République et le démiurge dans le timin. L'intelligible sera ses pensées et ce Dieu va fabriquer le sensible à partir des pensées qui se trouvent en lui. Et avec le néoplatonisme, on ajoutera à ce système un étage supérieur qui sera l'un au-delà de l'être. Et tout cela se développera jusqu'au VIe siècle, au moment où l'Académie d'Athènes sera, où l'école néoplatonicienne d'Athènes plutôt, sera fermée par Justinien. Donc, ce que je voudrais montrer, si j'ai l'occasion d'en parler, c'est que le moyen platonisme et le néoplatonisme restent fidèles à Platon en ce qui concerne les théories de l'âme et les théories de l'intelligible, mais que cette fidélité implique une infidélité radicale au niveau essentiellement de la politique et au niveau du personnage de Socrate. Donc, merci, je pourrais répondre à vos questions. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Brisson. C'est fantastique, c'était très bien la conférence. Les questions. No chat já tem algumas perguntas. Quem quiser fazer outras perguntas, a gente vai traduzir em francês para o professor. Aí a pergunta é Marcos Reis. Michel Pichot. La question sur la politique fondamentale chez Platon. Est-ce que l'importance de la politique n'est pas diminuée dans le néoplatonisme? Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, je pense que Platon voulait vraiment modifier la cité dans laquelle il vivait. Et c'était encore possible. Alors que pour le néoplatonisme, la chose n'était plus possible parce que la cité était sous la domination des différents sur la domination d'un empereur. Et par voie de conséquence, on ne pouvait pas toucher à l'organisation politique. L'organisation politique à l'époque romaine et byzantine, puisque ça, à l'époque romaine et byzantine, était associée à de grandes familles qui se partageaient l'empire et qui étaient sous la domination de l'armée. Et par voie de conséquence, il n'avait plus rien à faire. Et il y a un exemple vraiment très intéressant. Il y a Dominique Omera qui a publié un livre sur le sujet, sur la politique des néoplatoniciens, avec lequel je suis plus ou moins d'accord, mais il y a un exemple très intéressant qu'on trouve chez Plotin. En effet, Plotin, qui était installé à Rome, avait des liens très particuliers avec, avec l'empereur Galien, avec l'empereur Galien et sa femme. Et Plotin avait demandé à l'empereur Galien de relever une cité qui avait été abandonnée dans le sud de l'Italie pour en faire une cité qui réponde aux lois de Platon. Et tout de suite, après que l'empereur Galien ait accepté cette idée, il a été assassiné et tout est tombé
dans l'oubli. Et donc, on voit très bien à partir de cet exemple comment les néoplatoniciens, n'avaient pas le pouvoir de modifier la société de leur époque. Et par ailleurs, on voit aussi dans l'école néoplatonicienne d'Athènes. Donc, l'école néoplatonicienne d'Athènes vivait dans un monde où les chrétiens avaient pris le pouvoir. Et les néoplatoniciens ne réussissaient à survivre que parce qu'ils étaient protégés par une grande famille qui s'occupait de politique et qui pouvait les subventionner. Et c'est la raison pour laquelle, quand la puissance de cette famille s'est réduite, platoniciens de l'école néoplatonicienne d'Athènes ont dû fermer leur école et quitter la cité pour aller en Perse. Voilà. Merci. Moi-même, j'ai plein de questions. Très différentes d'ailleurs. La première, ce sera sur ce que vous avez parlé de la fidélité et versus l'infidélité à Platon dans les moyens platonisme. C'est très intéressant de penser que bon, la nouvelle académie, n'a pas parlé, n'a pas s'intéressé au monde intelligible. Et ça, elle a pris cette tendance, disons, sceptique. Et puis après, on s'aperçoit de cette pénétration du pythagorisme dans le platonisme, n'est-ce pas? Et donc la réhabilitation, disons, de l'intelligible. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette idée d'une fidélité ou infidélité dans l'interprétation, c'est-à-dire ce qu'on appelle plutôt le... Comment vous voyez ça? Oui, donc pour le moyen platonisme, il y a deux éléments où on peut voir la fidélité et l'infidélité. Donc, le problème avec le moyen platoniste, c'est que on se trouve en présence d'auteurs qui sont très différents les uns des autres. Donc, on va avoir Plutarque, on va avoir Atticus, on va avoir Alcinoos, on va avoir Numénius, etc. Donc, la première infidélité, c'est de considérer que Platon est un pythagoricien. On trouve ça chez Numénius. Numénius a écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'infidélité des académiciens ». Je ne me souviens plus du titre exact, mais ça revient à ça. « De l'infidélité des platoniciens à l'égard de Platon ». Ce que fait Numénius estime que Socrate était un disciple de Pythagore et que Platon, en tant que disciple de Pythagore, était un pythagoricien. Et par voie de conséquence, les doctrines platoniciennes et les doctrines pythagoriciennes confondaient. Et ça a des conséquences très importantes en ce qui concerne l'intelligible, notamment. Tout simplement parce que l'intelligible est associé au nombre, à la mathématique, et le sommet de l'intelligible, c'est l'un bien au-delà, donc l'un bien. Et pour les médioplatoniciens, cet un bien n'était pas au-delà de l'être, mais était au sommet de l'être. Et donc, ça, c'est une première... c'était
donc un exemple de la fidélité et de l'infidélité du moyen platonisme à l'égard de Platon. Le deuxième exemple, ça touche l'âme. Et là, on voit ça plutôt chez Plutarque. Donc, dans le Timée de Platon, il y a un passage dans les pages 50 où il y a un passage très intéressant où on nous dit que lorsque l'intellect n'intervient pas dans le monde sensible, le monde sensible est livré au hasard livré au hasard, et que les mouvements du monde sensible sont totalement désordonnés. Donc, alors que dans le Timée, Platon décrit une âme du monde qui est fabriquée par Démiurge, et chez Plutarque, le dieu, qui est, comme je l'ai dit, un Démiurge, le dieu ne fabrique pas l'âme du monde, ne fabrique pas l'âme. L'âme existe de tout temps comme le dieu, mais cette âme comporte deux états. Un état ordonné, lorsque le dieu intervient, et un état désordonné, lorsque le dieu n'intervient pas. Et donc on a là l'idée d'une âme du monde désordonnée et mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'interprètes dans l'Antiquité parlent d'une âme du monde mauvaise ou désordonnée. Et ça, c'est impossible d'en trouver la trace chez Platon. Professeur, vous avez dit que le néoplatonisme ne s'intéresse pas au contexte historique. Pourriez-vous explorer un peu cet aspect? Oui, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais l'exemple de Platon est intéressant. Je trouve, avec Platonopolis. Donc, Platon centrait. Bon, Platon enseigne à Rome. Il enseigne dans la maison d'une femme très riche, probablement la veuve d'un empereur qui a été assassiné quelques années auparavant. Donc, et il a dans son école. Il a dans le public qui vient l'écouter des sénateurs, des gens très importants. Mais jamais il n'intervient auprès de ces gens pour modifier l'entourage de l'empereur qui à l'époque est l'empereur gallien. C'est celui qui va rester au pouvoir pendant 13 ans. C'est le plus long règne de l'époque de Platon. Et donc, la seule chose que Platon peut faire, c'est de demander à l'empereur de lui donner une ville abandonnée pour qu'il puisse fonder là une cité qui obéisse aux lois de Platon. Mais comme vous le voyez, il ne s'agit pas là de modifier l'Empire. Il n'y a aucune critique de l'Empire romain. Il s'agit en quelque sorte, jusqu'à un certain point, je n'aime pas le mot, mais enfin, peu importe, de créer une cité monastique, un peu comme à Cluny en France. Donc c'est tout ce que les néoplatoniciens peuvent faire. Et quand on lit la vie de Proclus par Marinus, on s'aperçoit
que les néoplatoniciens étaient sous la domination des chrétiens et ne pouvaient faire que très peu de choses. Ils vivaient entre eux dans des bâtiments probablement très riches, mais peu importe, c'était effectivement une espèce de vie monastique entre platoniciens. Voilà. Monsieur, nous avons ici quelques questions que je crois qu'on peut synthétiser dans une seule. D'abord, celle-là de Van der Leyen. Encore dans les champs politiques, comment vous voyez la solution platonique pour les questions économiques, c'est-à-dire dans la communauté des femmes, si on se souvient de la perspective aristophanique. Mais on a aussi la question à propos de la politique. Voilà, c'est Marc Pinheiro qui reprend la question qu'il a faite. Mais là, vous avez déjà répondu, l'idée des Platons, qui est encore mêlée dans la question politique par rapport à son entourage. Vous venez de parler de ça. Et donc, aussi, cette question... posée par Mauro Nascimento. Comment vous voyez le platonisme maintenant, à ce moment-là? Je crois que ça peut reprendre un peu la question politique, si on pense dans le monde actuel. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mmh. Voilà. Donc, pour la communauté, bon, pour les femmes, c'est vraiment intéressant, je veux dire. Il y a eu toute une discussion très importante sur l'attitude de Platon à l'égard des femmes. Premièrement, il y a les femmes qui... Il y a les partisans d'un Platon qui est féministe, tout simplement parce que pour Platon, les femmes constituant la moitié du monde doivent avoir les mêmes fonctions que les hommes. Et par voie de conséquence, une femme peut être soldat, et en tout cas dans la République. Et ça, c'était un scandale absolu pour un citoyen athénien, parce qu'être un citoyen athénien, c'était donc avoir deux droits, le droit de posséder une terre et le droit de voter à l'Assemblée, et une obligation, c'était le droit d'être militaire. Et par voie de conséquence, mettre les femmes sur le même niveau que les hommes constitue un scandale absolu. Et on le voit justement dans les Thesmophories d'Aristophane. Aristophane pouvait faire rire son public en présentant les femmes comme dirigeant jusqu'à un certain point la cité. Cela dit, un certain nombre de choses dans Platon indiquent que Platon ne mettait pas les femmes sur le même pied que les hommes. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit concernant le problème de la métensomatose, de la réincarnation. Donc, première période, l'âme est séparée de tout corps. Deuxième période, elle s'incarne dans un être humain dont le sexe n'est pas précisé, c'est très étrange. Et dans une troisième période, apparaissent les femmes. Et qu'est-ce que Platon dit en ce qui concerne les femmes ? Platon dit, à cette troisième période, apparaissent les femmes
c'est-à-dire les hommes qui ont fait preuve de lâcheté. C'est très humiliant et très intéressant pour les femmes. Et donc on se pose la question de savoir comment Platon peut estimer que les femmes puissent devenir des militaires et considérer par ailleurs que une femme, c'est un homme, c'est la réincarnation d'un homme qui s'est montré lâche dans son existence antérieure. Par ailleurs, il y a d'autres passages aussi où la femme est considérée comme moins efficace qu'un homme dans la vie de tous les jours. Donc il y a chez Platon une ambiguïté très importante en ce qui concerne les femmes, mais il est quand même très intéressant de remarquer la place des femmes dans la République de Platon. Et dans les lois de Platon, c'est encore un peu différent. Bon, il reste toujours cette question de la réincarnation d'un homme lâche en une femme. Mais dans les lois, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a dans les lois il n'y a plus la communauté des femmes et des enfants, mais la femme, premièrement, a le même l'éducation est obligatoire dans les lois. La femme a exactement les mêmes cours que les garçons. Les filles suivent les mêmes cours que les garçons. La femme peut devenir soldat et la femme peut être magistrate. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, voilà pour les femmes. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout claire chez Platon, mais qui est vraiment très intéressante. Et par ailleurs, dans l'Académie, on dit qu'il y avait des femmes aussi. Et je pense que c'est tout à fait exact. Et chez Diogène Laërce, le troisième livre, c'est un livre sur Platon. Et dans ce livre, Diogène Laërce remercie la personne qui lui a donné de l'argent pour faire ce livre. Et c'est une femme. Et cette femme, elle est platonicienne. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre question aussi qui était très, très intéressante, c'est la question économique. Et donc là, on a des très gros problèmes. Le problème fondamental pour l'Antiquité, dans la République et dans les lois, et je remercie la personne qui m'a posé cette question, parce que c'est une question fondamentale. Le problème fondamental, le problème de l'économie dans la République et dans les lois, c'est la force de travail. Dans la République et dans les lois, bon, dans la République, il y a un groupe fonctionnel des producteurs qui fabrique de la nourriture et des richesses pour les dirigeants. Dans les lois, tout le monde est sur le même pied. Un citoyen ne doit pas travailler. Donc, un citoyen n'a pas le droit de faire du commerce. Un citoyen n'a pas le droit de un citoyen n'a pas le droit de faire du commerce, un citoyen n'a pas le droit de travailler, et tout simplement parce que pratiquement tous les jours de l'année sont consacrés à des activités politiques ou religieuses. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième, pour les lois, et on peut transposer sur la République jusqu'à un certain point, parce qu'on ne connaît pas vraiment le mode de vie des producteurs. Cela dit, si vous n'avez pas, et on revient au problème que j'évoquais au point de départ, si on n'a pas de force de travail chez soi, il faut aller chercher la force de travail ailleurs, et cette force de travail, ce sont les populations qui ont été vaincues lors d'une guerre. Et donc, ce qui est très bizarre, c'est qu'on chez Platon, on parle très très peu d'esclaves.
En revanche, on parle de gens qui travaillent pour les dirigeants dans la République et pour les citoyens dans les lois. La situation est plus claire. Et donc, on arrive à cette conclusion que dans la République et dans les lois, ce sont les métèques, c'est-à-dire les étrangers résidents, qui s'occupent du commerce et des intérieurs et extérieurs, et que ce sont des esclaves ou des serviteurs qui s'occupent des tâches manuelles. Et donc, ça pose des problèmes très, très, très bizarres et très intéressants. Et donc, je vous renvoie là-dessus sur l'économie chez Platon aux travaux d'un ancien étudiant qui s'appelle Étienne Elmer. Et voilà, c'est essentiellement, c'est à mon avis, ce sont à mon avis les travaux les plus valables en ce qui concerne l'économie dans la République et dans les lois. Voilà, ça j'ai répondu à la question sur les femmes et à la question sur l'économie. Et à mon avis, c'est vraiment très, très important. Oui, ensuite, vous avez d'autres... j'ai oublié les questions, les autres questions. Il y aurait Platon aujourd'hui, quelque chose du genre, non? Pardon, les autres questions, c'était... Votre micro était... Bon. C'était justement sur Platon aujourd'hui, la question que je vous Mais il y avait une autre question avant ou pas? Non, non. Non, non, c'était la politique et Platon aujourd'hui. Puis après, nous avons beaucoup de questions, mais le problème, c'est que les temps s'épuisent, donc on ne peut pas continuer. On peut continuer jusqu'à 17h, non? On peut continuer jusqu'à 17h. Allô? Oui, c'est quelle heure maintenant en France? 16h30. D'accord, si vous voulez, on peut continuer. Qu'est-ce que tu passes, Cicero? Tranquille, tranquille. C'est pas possible problème. Ou pas? Ou... Seguimos. Donc, il y a cette question sur Platon aujourd'hui. Et la politique, je crois que c'est le thème du jour. Ah oui. Il y a aussi Tadeo Junior qui reprend la question de la politique, encore sur Platon. Mais là, Tadeo, je crois, M. Brisson a déjà répondu. Mais Tadeo aussi il parle du risque d'Aios. Je comprends pas. Que je la réponse, c'est-à-dire qu'il y a ta liste ici. Pouvez-vous parler de la fin de la question de la liste 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 de Est-ce qu'on peut répondre? Ok. Ok. On peut parler? Oui, monsieur. Oui. Bon. Oui. Je peux répondre à la politique aujourd'hui ou... Et ensuite, je parlerai de l'éthique stoïcienne. D'accord? Allô? Allô? Oui, 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 c'est bon comme ça. Oui, donc je vais parler de la politique aujourd'hui, puis ensuite, je parlerai de l'éthique stoïcienne, qui est très intéressante par ailleurs.
Pour la poétique aujourd'hui, je pense que on se retrouve dans un monde aujourd'hui qui est un monde stoïcien, pas stoïcien, pardon. on est dans la perspective d'un sophiste. L'idée fondamentale est la suivante, c'est-à-dire que le monde politique aujourd'hui, comme le monde de la justice, est un monde où seul compte le vraisemblable. Tout simplement parce que en politique et en justice, on ne peut jamais découvrir la vérité. Tout ce qui compte, c'est le témoignage de celui qui parle à l'Assemblée et de celui qui parle au tribunal. Et c'était contre ça que Platon c'était précisément ce que Platon critiquait. Le problème fondamental est le suivant, c'est-à-dire que en politique et au tribunal, en politique et au tribunal, la situation est ce qu'elle est. Et on ne peut, même si on veut critiquer cette situation et dire que, en fait, tout repose sur l'usage de la parole en politique et au tribunal, un usage de la parole qu'on ne peut pas contrôler ou vérifier et dont on ne peut pas dire que c'est la vérité. Donc, c'est la critique faite par Socrate et Platon à la parole politique et à la parole judiciaire. Le problème fondamental, et on le voit très bien, c'est que si on veut remplacer cette parole, si on veut remplacer les valeurs de justice, de courage, etc., et si on veut les associer à des faits, c'est-à-dire que on puisse avoir une définition de la justice comme on peut avoir une définition de l'accélération en physique ou de la force en physique ou de résistance du matériau. Si on veut que les valeurs soient associées à des faits, on aboutit de façon presque automatique à une politique et à une justice qui ne sont plus démocratiques et qui sont jusqu'à un certain point tyranniques. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, Platon est très fort, Platon et Socrate sont très forts dans leur critique du système démocratique et du système judiciaire, mais que les solutions qu'ils proposent sont des solutions, me semble-t-il, intenables et qui mènent à des situations que personne ne voudrait accepter. Donc ça, ça serait ma réponse pour Platon aujourd'hui. En d'autres termes, Platon inspire une critique radicale de la parole politique et de la parole judiciaire, mais il est très difficile d'apporter une solution aux critiques faites par Socrate et par Platon. Ça, ça serait ma réponse. Pour l'éthique stoïcienne, est-ce que je peux en parler ou pour l'éthique stoïcienne? Il existe chez Platon les vertus. C'est le traité 19, je crois, Énéade 1-2. Et dans ce traité sur les vertus est très intéressant et surtout il est expliqué, interprété par Porphyre dans les Sentences. Pour Platon, et ça c'est vraiment très intéressant,
il n'y a pas que l'éthique stoïcienne, l'éthique platonicienne qui, dont on doit tenir compte. Pour Platon, il y a quatre niveaux de vertu, enfin trois pour Platon et quatre pour Porphyre. Le premier niveau de vertu, ce sont les vertus politiques ou les vertus civiques, c'est-à-dire les vertus qui permettent aux citoyens de vivre entre eux sans s'éventrer. Et donc, ce sont des vertus qui prônent la modération des appétits. Ça, c'est le premier niveau de vertu selon Platon et selon Porphyre. Le second niveau de vertu, c'est les vertus stoïciennes. Et ces vertus stoïciennes se caractérisent par le détachement à l'égard du sensible. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rejeter le sensible, il s'agit de rester à l'extérieur. C'est-à-dire, on procède à toutes les activités sensibles, c'est-à-dire manger, faire l'amour, etc., etc., mais on ne fait pas de ces activités le but fondamental de la vie. Donc, pour Platon, l'éthique stoïcienne, c'est une éthique de détachement, pas de rejet, de détachement. Et au-dessus de l'éthique stoïcienne, c'est l'éthique platonicienne, et elle, c'est une éthique qui est fondée, comme on le voit chez Platon, sur le savoir, c'est-à-dire sur la contemplation des réalités véritables. Et au-delà de ces trois niveaux de vertu, on trouve chez Porphyre les vertus paradigmatiques, c'est-à-dire les vertus véritables, les formes des vertus. Et à partir de là, chez Jean Blic et chez Proclus, on va développer toute une série de vertus religieuses, des vertus théurgiques concernant des cérémonies religieuses, etc. etc. Donc, les vertus, l'éthique stoïcienne joue un rôle considérable chez les néoplatoniciens. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense, et si j'ai l'occasion d'en parler, je pense que le stoïcisme, que le néoplatonisme, c'est un stoïcisme platonisé. Donc, pour les néoplatoniciens, vous avez l'un au-delà de l'être, l'intellect qui donc procède de l'un et qui est associé à l'intelligible. Et sous l'intelligible, vous avez l'âme qui possède en elle-même les intelligibles sous forme de logoi. Et à partir de l'âme, tout ce qui vient jusqu'à la matière s'inspire du stoïcisme. Donc, moi, je pense, et c'est ce que je voudrais expliquer si j'en ai l'occasion, que le néoplatonisme, c'est un stoïcisme platonisé. Et c'est tout à fait acceptable historiquement, tout simplement parce que à l'époque des néoplatoniciens, la philosophie la plus répandue, en tout cas à l'époque de Platon, de Porphyre et de Jean Blic, c'était le stoïcisme. Et ce que font ces gens-là, Platon, Porphyre, Jean Blic, c'est qu'ils interprètent, ils donnent une interprétation platonicienne du stoïcisme, fondée justement sur ces deux principes que sont le logos démiurgique et la matière. Et donc Lorraine parlait aussi, je crois, de l'agorum de Porphyre. L'agorum, c'est comment l'embryon, comment l'âme vient dans l'embryon. Donc l'explication de la génération humaine par Porphyre s'inspire
presque mot à mot du stoïcisme. Et donc, moi, je pense que le stoïcisme est inséparable du néoplatonisme. Voilà. Oui, vous avez d'autres, Lorraine? Oui, j'étais en train de noter, voir. Non, c'est super si vous avez parlé de la relation avec le stoïcisme. Dans le néoplatonisme, vous avez dit que le néoplatonisme, c'est un stoïcisme platonisé. Je me souviens très bien quand elle a parlé de la traduction des Énéades sur les difficultés de l'âme. Et vous avez traduit. Et donc, vous disiez exactement ça dans d'autres mots, c'est-à-dire l'idée que le néoplatonisme, Platon, faisait sa philosophie dans une terre stoïcienne, et donc il absorbait beaucoup les termes, les concepts des stoïciens. Et donc, si Cicéron me permet, si me permet un petit peu. Oui, oui, donc, oui. Si. Il y a autre question. Oui. Ah oui, c'est ça. Il y a une autre phrase. Oui, oui, sur la notion des fils dans Platon et le platonisme. Mais je crois que ça va de pair avec ce que j'ai pensé un peu. C'est que nous avons eu cette semaine une conférence avec Pedro Martins qui travaille sur Porphyre. Et après, on discutait un peu la question de l'âme rationnelle chez les animaux. Ah oui. Complètement en dehors de ce que vous avez parlé. Non, mais si, si, c'est intéressant, oui. Non, si mais. Vous voulez parler en 3 minutes. Oui. Beaucoup. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Je veux dire, il faut lire la De Abstinentia de Porphyre, et notamment le livre 4. Et donc, comme je l'ai dit, et encore une fois, je parlais trop vite parce que c'est difficile de faire comprendre ça. Donc, ce que je voulais. Je prends les choses au point de départ. L'âme est immortelle. Ce qui est immortel en âme, c'est l'âme en tant que réalité. L'âme personnelle est soumise à des cycles de 10 périodes. Au bout de ce cycle, l'âme perd toute individualité, toute personnalité, et elle entre dans le grand bassin des âmes qui vont subir un nouveau cycle. Donc, comme je l'ai dit, à partir de la quatrième période, la quatrième génération, les êtres humains peuvent habiter un corps de bête. C'est très difficile parce qu'en grec, il n'y a pas de terme pour animaux. C'est zoa. Zoa, ça veut dire l'être vivant, ça peut être un dieu, un homme ou un animal. Donc, c'est très difficile de traduire. Et on a aussi terre, et là, c'est la bête sauvage. Donc, là, je reste au niveau des animaux au sens français du terme. Et, donc, si une âme humaine peut venir habiter le corps d'un animal, ça signifie que l'âme humaine, que cette âme, dans son entier, vient habiter le corps d'un animal. Si c'est le cas, ça signifie que les animaux ont une âme avec une partie rationnelle. Et donc, Plutarque, notamment, dans un traité vraiment très intéressant sur l'intelligence animale, et Porphyre, qui reprend des grands morceaux de Plutarque dans son De Abstinentia, donc disent que les animaux ont une âme rationnelle, mais que cette âme rationnelle n'est pas utilisée à sa pleine puissance. Cette âme rationnelle est cependant là. Et il y a des choses très intéressantes, encore une fois, je vous engage à lire le De Abstinentia, très intéressante en ce qui concerne les animaux. C'est-à-dire qu'on peut
on peut ordonner des activités aux animaux. Je veux dire, on le voit très bien avec les chevaux. On peut leur parler, leur dire arrête, avance, etc., etc. Et on peut aussi les apprivoiser et dans un cirque, par exemple, leur faire faire toutes sortes de gestes prévus à l'avance. On peut leur apprendre ces gestes. Et donc, si c'est le cas, cela signifie que les animaux ont, jusqu'à un certain point, une intelligence. Et vous voyez la conséquence, et on le voit très bien dans les mouvements actuels, les mouvements contre sur le végétarisme et sur un végétarisme plus ou moins puissant. Tuer un animal, c'est tuer l'équivalent de, en tout cas, sinon d'un être humain maintenant, en tout cas d'un être qui a une sensation de peine, de douleur et de plaisir. Et en tout cas, il y a chez les néoplatoniciens cette conviction que les animaux, c'est-à-dire ceux qui sont sous les êtres humains, ont une intelligence. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, chez Plutarque, chez Porphyre, la question du dressage, par exemple, est une question essentiel pour ce sujet. Merci. Et il y a aussi une question sur la notion de physis. Bruno Comte, il demande si vous pouvez parler quelque chose, commenter les transformations les notions de physis chez Platon et la tradition du platonisme. C'est quoi? Oui, donc je dis quelque chose de très général, mais si monsieur veut reposer une question plus précise, chez Platon, le dialogue par excellence sur la cosmologie et la physique, c'est le Timée. Et dans le Timée de Platon, le Timée de Platon est une œuvre relativement primitive. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Chez Platon. Donc, chez Platon, vous avez les formes, les réalités intelligibles. Qui ne sont pas sensibles et qui n'ont rien à voir avec la physique. Vous avez l'intellect qui va faire insérer l'intelligible dans la chora. On ne parle pas de matière chez Platon. Et cette insertion de l'intelligible dans la chora, c'est une insertion à l'aide des mathématiques. En d'autres termes, si la physique, si on peut parler de physique chez Platon, c'est parce que la matière est organisée à l'aide des mathématiques. Chez Platon, en effet, toute la physique se rapporte à deux triangles rectangles qui eux-mêmes servent à fabriquer les faces des quatre polyèdres. Le triangle équilatéral pour trois des polyèdres et le carré pour le quatrième. Donc les trois premiers polyèdres, ce sont ceux associés au feu, à l'air et à l'eau, et le quatrième, c'est la terre. Donc, encore une fois, je me répète, pour Platon, la physique apparaît lorsque la matière est organisée de façon mathématique
à l'aide de la géométrie et à l'aide des rapports mathématiques. Et c'est comme ça qu'apparaissent les choses sensibles. Chez les néoplatoniciens, c'est très différent. Et encore une fois, je reviens au stoïcisme, parce que c'est vraiment inspiré des stoïciens. Chez les néoplatoniciens, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça apparaît dès Aristote, les mathématiques sont expulsées du champ de la physique. Chez les néoplatoniciens, chez Aristote, la matière est organisée par la forme qui se trouve en elle. Les mathématiques ont complètement disparu. Et ils ne réapparaîtront qu'avec Galilée. Et donc, avec les stoïciens, c'est un peu différent. Le logos, qui est l'équivalent d'un dieu démiurge, organise la matière à l'aide de ce qu'on appelle les logoi spermaticoi, c'est-à-dire, ce sont des raisons particulières, des espèces de formes matérielles qui organisent la matière. Et la matière qui elle-même n'est que l'image la plus éloignée de l'âme. Donc, la différence fondamentale entre Platon et les néoplatoniciens, c'est que Platon fait intervenir les mathématiques en physique. C'est fondamental. Alors que pour les néoplatoniciens, que pour Aristote, les mathématiques sont remplacées par la forme et que pour les stoïciens, les mathématiques sont remplacées par les logoi spermaticoi, les raisons spermatiques, comme on dit, mais ça prendrait plus de temps pour expliquer ce qu'il en est. Donc, et ensuite, l'autre chose qui est très importante, mais et qui disparaît avec Platon, c'est que le démiurge organise le monde de la physique à l'aide des mathématiques, et il le fait comme un artisan, comme quelqu'un qui fabrique une chaise, une table, etc., etc. Alors que dès Aristote, cette idée que le monde est fabriqué comme une œuvre artisanale disparaît complètement à cause justement d'une critique faite par Aristote suivant laquelle une œuvre artisanale est destinée à la destruction. Or, le monde physique ne peut pas être détruit. Par voie de conséquence, une description de la constitution du monde physique qui s'inspire de l'artisanat est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle donc, on passe tout à fait à un autre registre qui est celui de la nature et qui est différent bon, suivant Aristote, parce qu'Aristote, le principe, c'est le premier moteur. Alors que pour les stoïciens, le principe, c'est le logos, qui est un feu démiurgique. Donc, voilà, c'est la réponse que je ferai. Je ne sais pas si je suis été clair, mais moi, ce qui me frappe chez Platon, je n'ai pas eu l'occasion d'y insister dans la communication que j'ai faite, ce qui me frappe chez Platon, c'est l'importance fondamentale des mathématiques. C'est fondamental. Oui. Oui. Donc, je crois que nous avons cette dernière question-là. Pourquoi Camus s'intéressait-il tant au néoplatonisme au point d'avoir rédigé une thèse sur ce sujet dès son plus jeune âge, les reliant à la métaphysique chrétienne? Camus était-il un mystique? C'est très difficile de répondre à cette question parce que il y a beaucoup de questions dans cette question. Moi, j'aime beaucoup Camus et j'ai l'impression de comprendre pourquoi il s'intéressait à Platon. Je pense qu'il s'intéressait à Platon essentiellement pour ses notions
pour ces notions, parce que, premièrement, l'homme n'est pas défini exclusivement par son corps, et c'est ce qui le ramenait à la religion chrétienne. Cela dit, comme j'ai essayé de l'expliquer, l'âme chez Platon, c'est quelque chose de très très différent de l'âme, de ce qu'on trouve, de l'âme chez les chrétiens. Même si les chrétiens se sont largement inspirés de l'interprétation de l'âme par Platon. Et donc, même s'il y a une différence fondamentale, il y a quand même quelque chose de très similaire. Donc, l'âme, c'est quelque chose qui implique des exigences éthiques très importantes. Parce que, étant donné que l'âme survit au corps, ce n'est pas parce que vous avez eu beaucoup d'argent, que vous avez été particulièrement violent, que vous pouvez mourir sans conséquences. Vous mourrez sans conséquences sociales, mais il y aura par la suite un jugement. Donc, je pense que cette notion d'âme, même si elle est très différente chez Platon et chez les chrétiens, implique une exigence éthique fondamentale. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Camus était très attiré par Platon. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de Camus et je dis ça sous toute réserve. Il faut rester très modeste en ce qui concerne ce genre de réponse. Voilà. Bon. Lorraine, apesar da generosa disposição do professor Luc Brisson, não há mais questões e nós estamos já um pouquinho avançado aqui no tempo da live. Eu acho que a gente pode encerrar. E lembrando que a gente terá uma nova reunião com o professor Luc Brisson, onde ele tratará exatamente, ou mais precisamente, do neoplatonismo, embora ele tenha tratado bastante aqui, né? Mas, enfim, será um segundo momento. E eu queria somente, Lorraine, agradecer a sua participação, né, aqui. Espero contar novamente no próximo encontro. E ao professor Luc Brisson, merci beaucoup, professor. E, por favor, se você puder, depois a gente acerta, eu vou entrar em contato com vocês para a gente pensar um horário de uma próxima reunião. Donc, merci, Monsieur Brisson. Nous vous remercions beaucoup. Nous étions très, très honorés de votre participation. Et puis après, Cicero va proposer une nouvelle date pour la prochaine live sur le néoplatonisme. OK. Merci beaucoup. Et encore une fois, ça a été un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous parler aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Bom, um abraço a todos. Tchau.